J'étais parti même chez KFC quand KFC était venu pour la première fois en Chine. 24 personnes se sont portées candidates. 23 ont été acceptées. J'étais la seule personne à ne pas être acceptée. Moi, je n'ai jamais su qu'un jour je viendrais parler ici à Davos, parler à Charlie Rose, et aujourd'hui, je l'ai fait. Crois en ce que tu fais. Que les gens l'adorent ou pas. La vie est un box de chocolat. Vous ne saurez jamais ce que vous aurez. J'étais né en 1914. J'ai connu la révolution culturelle. Mon grand-père, parce qu'il possédait des terres, était considéré comme le méchant. Donc dès l'enfance, je savais combien c'était dur. Il y avait un examen que les jeunes qui voulaient aller à l'université doivent passer. Moi, je l'ai échoué 3 fois. Je connais tellement d'échecs. 3 fois à l'école primaire, j'ai échoué un examen. Et au collège, j'ai aussi échoué 3 fois. Et vous ne croirez jamais. Dans la ville où j'ai grandi, il n'y avait qu'un seul collège qui a duré qu'un an. Ils ont changé l'école primaire en collège parce que là où on était, il n'y avait aucun collège ou aucun lycée qui voudrait de nous parce qu'on était si mauvais. Pour le coup, notre école primaire était devenue notre collège. Je pense que nous devrions nous habituer aux échecs. Même aujourd'hui, nous rencontrons tellement de gens qui nous ferment la porte au nez. Et bien avant que je sois diplômé d'université, laquelle j'ai essayé d'intégrer pendant 3 ans et qu'ils m'ont refusé, je cherchais un travail et j'étais rejeté 3 fois. J'étais parti vouloir intégrer la police. Ils m'ont dit, non, t'es pas bien assis pour ça. J'étais parti même chez KFC quand KFC était venu pour la première fois en Chine. 24 personnes se sont portées candidates. 23 ont été acceptées. J'étais la seule personne à ne pas être acceptée. Et pour avoir voulu intégrer la police, sur les 5 candidats, j'étais le seul à ne pas être accepté. Donc pour moi, ne pas être accepté, et au passage, je ne sais pas dire, j'ai candidaté à l'université de Harvard 10 fois. J'ai été rejeté 10 fois. Quand j'avais 12-13 ans, j'ai commencé à vraiment aimer la langue anglaise. Il n'y avait à l'époque aucun endroit où vous pouviez apprendre l'anglais. Il n'y avait même pas de livres d'anglais, donc je partais tout le temps à l'hôtel Hangzhou, où se logent des touristes étrangers. Et chaque matin, je leur faisais gratuitement un tour de la ville, chose que j'ai faite pendant 9 ans. En retour, ils m'apprenaient l'anglais. Je pense que c'est cela qui a changé ma vie, parce que moi je suis 100% made in China. Je n'ai jamais eu un seul jour de formation en dehors de la Chine. Et quand les gens me demandent, Jack, comment tu parles si bien en anglais? Pourquoi 2 fois tu parles comme quelqu'un qui vient de l'Occident? Et la réponse se trouve exactement dans les 9 ans que j'ai passé à faire des visites gratuites aux touristes qui m'ont appris la langue anglaise. Et non seulement ça, ces touristes m'ont ouvert l'esprit parce que tout ce qu'ils m'ont appris est différent des choses que j'ai apprises à l'école ou celles que mes parents m'avaient apprises. Le nom que je porte, Jack, m'a été donné par une dame qui vivait aux États-Unis et qui était venue en Chine pour une visite touristique. Elle m'a fait savoir que mon nom chinois était difficile à prononcer et me demanda si j'avais par hasard un nom occidental. J'ai dit que non. Peux-tu me donner un nom occidental? Elle dit ok. Mon père s'appelle Jack. Mon mari s'appelle Jack aussi. Qu'est-ce que tu penses de ce nom, Jack? J'ai dit très bien. Ainsi, Jack est devenu mon nom. J'étais venu aux États-Unis dans le cadre d'un projet pour aider l'autorité locale à construire une route. Et c'est là que j'ai essayé à Seattle pour la première fois Internet. Mon ami qui m'accompagnait a ouvert un petit bureau qui est l'équivalent de 10% du bureau dans lequel nous sommes. Il m'a dit, Jack, ça c'est Internet. J'ai dit, c'est quoi Internet? C'est quelque chose qui te permet de rechercher tout ce que tu veux. Il m'a dit, tu peux l'essayer si tu veux. Je dis « Non, 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 je ne vais pas l'essayer. » Je ne vais pas parce qu'en Chine, les ordinateurs étaient tellement chers. Si je touche cet ordinateur et que ça tourne mal, je ne peux pas le payer. Il a dit « Non, arrête tout ça, c'est juste une recherche. » La première chose que j'ai recherchée, c'était le mot « bière ». Et je ne sais pas pourquoi j'ai recherché ce mot en premier. Peut-être parce qu'il est facile à prononcer. Et là, j'ai vu des bières d'Allemagne, des bières des États-Unis, des bières du Japon. Il n'y avait pas de bière de la Chine.
J'ai dit « Ok ». J'ai ensuite ajouté le mot « Chine » à la fin du mot « bière ». Toujours rien. Et cela s'est passé en 1995. Puis j'ai dit « Pourquoi ne pas faire quelque chose sur la Chine ?» Ensuite, nous avons créé une toute petite page bien moche et cette expérience était formidable. Nous avions rendu la page publique vers 9h40 du matin. Et à 12h40, j'ai eu un appel d'un de mes amis qui me disait « Tu sais quoi ? T'as 5 emails. » J'ai dit « C'est quoi les emails ?» Et quand il m'avait montré, c'était des messages des gens qui étaient si contents qu'il y ait une page sur la Chine et ils me disaient que c'était la première fois qu'il y a un site web sur la Chine, que ça serait formidable qu'on fasse des choses ensemble. Ils me faisaient toutes sortes de propositions. Et là, j'ai pensé, tiens, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Et pendant nos 3 premières années, Alibaba n'était qu'un site d'information où vous pouvez discuter simplement des produits sans conclure une affaire. Il n'y avait pas de système de paiement. J'étais parti voir des banques. Aucune ne voulait nous fournir. Les banques disaient « Ah, ces choses ne vont jamais marcher. » Et je savais que si je me mettais moi-même à